Sandra Aboive, la chorégraphe, danseuse pour le spectacle danse, littérature, musique consacré à Louise Michel qui s'appelle Vers Louise Michel. Ça tombe bien, le studio de Radio Libertaire, tout le monde le sait, s'appelle le studio Louise Michel. Et donc voilà, je suis précipité pour venir au Grand Parquet pour vous présenter ça. Et je vais demander aux deux personnes qui sont avec moi de présenter le projet. Il va y avoir un spectacle, une lecture dansée pour laquelle j'ai demandé à Sandra Aboive, que j'ai rencontrée et dont j'apprécie beaucoup le travail, d'imaginer quelque chose autour de Louise Michel. Alors Sandra Aboive, je te salue. Toi, tu es chorégraphe. Oui, c'est ça. Chorégraphe et danseuse. Donc, c'est une lecture dansée. Donc, il y aura du texte énoncé par une comédienne qui s'appelle Lina Céspedes. Il y a parfois des moments où la danse rencontre le texte sur des choses assez concrètes. Par exemple, le moment où il y a tout un passage où on est sur les barricades, où c'est la fin de la commune, où Mac Mahon va placarder son message en disant « Ne vous inquiétez pas, l'ordre est revenu, la patrie est sauvée, tout va pouvoir redevenir comme avant. » Après, en général, quand on dit spectacle de danse, on dit aussi musique. Quelque part, oui. Pas forcément le temps de la cerise. C'est difficile de danser sur des chansons. Mais tu as peut-être trouvé autre chose. J'ai ramené mon compositeur préféré, qui s'appelle Vincent Céspedes, avec qui je travaille depuis 3 ans maintenant, et qui nous a proposé comme ça des morceaux qu'on a intégrés au spectacle, et puis qui mettent aussi, qui plongent certaines scènes dans des atmosphères assez particulières. Bien, ça se passe quand par ailleurs? Alors le festival a lieu le 14 et le 15 juin. Ça commence autrement le vendredi à 19h par une université populaire, puis à 21h le spectacle de Gaufre de Crustace, 21h30 le spectacle de Sandra vers Louise Michel. Oui, le Grand Parquet, c'est un lieu qui a un lien fort avec le 18e et il est assez près du fameux 104 ici. C'est dans ce qu'on appelle les Jardins d'Éole, entre la rue d'Aubervilliers et la voie ferrée. Je vous remercie, je vous souhaite un très beau festival. En honneur à Louise Michel.